C'est l'histoire d'une terre et d'un peuple attaché à sa souveraineté. 11 ans après avoir recouvré l'intégrité de sa terre, tombée entre les mains mal avisées du colonialisme français et reprise au prix de lourds sacrifices, l'Algérie s'est réappropriée ses entrailles. Car le sous-sol algérien recèle des richesses insoupçonnables. Tougourte, la grande oasis, est aujourd'hui le carrefour des routes du pétrole saharien. Ses réservoirs se sont remplis de l'or noir venu par pipeline d'Assimé Saoud. Un certain 24 février 1971, le président Houari Boumediene prend une décision souveraine. César est contraint une nouvelle fois à rendre au peuple algérien ce qui lui appartient. Au-delà de la symbolique redondante d'une date, la nationalisation des hydrocarbures algériennes deviendra quelques années après le socle de l'économie algérienne. Pas mal d'eau a coulé sous les ponts depuis ce jour. Cet héritage arraché par une génération au profit de tant d'autres a été l'œuvre d'un architecte et d'une poignée de jeunes ingénieurs algériens. Sur le plan financier, notre objectif c'était d'arriver à faire appliquer aux sociétés étrangères chez nous les conditions qui sont appliquées dans tous les pays producteurs et à la lumière finalement des décisions qui sont intervenues à la suite de l'action de l'OPEC, décisions marquées par les accords de Tripoli et de Téhéran. Sur le plan des structures, nous nous sommes assignés comme objectif la prise en main du contrôle des activités pétrolières dans notre pays. Le pétrole et le gaz qui sortent de Hassi Messaoud et de Hassi Rmel sont désormais la propriété du peuple algérien. Un passage de témoin qui fait rayonner la compagnie nationale Sonatrach, gardienne du patrimoine énergétique national. Grâce au travail accompli par les hommes et les femmes de Sonatrach, l'Algérie est devenue un leader mondial du gaz naturel et éclaire la lanterne de nombreux pays. Place désormais à la conquête du gaz naturel liquéfié, devenu en l'espace de quelques années un enjeu stratégique. Afin de relever ce défi, une vision s'impose. Sonatrach met en place des infrastructures spécialisées dans la production de cette source d'énergie. Complexe GNZ, c'est un complexe qui produit du gaz naturel liquéfié. C'est une installation gazière importante située au niveau de la zone industrielle de Batewa. Elle a été construite dans les années 70. Donc le premier contrat qui a été signé avec la société américaine, Al Paso, donc en 1969, donc portant sur une quantité de 10 milliards de mètres cubes de gaz naturel pendant une durée de 25 ans. Le procédé de liquéfaction du gaz n'est pas une mince affaire. Il passe par différentes étapes. La toute première reste la réception de la matière brute en provenance de gisements de gaz de Hassi Rmel. Le but est de porter le produit final à une température de stockage et de transport, à moins 162 degrés Celsius. À cette température, le volume du gaz naturel est réduit de 600 fois. Il passe ensuite par la section de traitement afin d'éliminer le CO2 et l'humidité. Étape primordiale avant son refroidissement et passage à l'état liquide, jusqu'à son exportation. Une fois il est GNL, il est pompé, puis il est envoyé vers des bacs de stockage. Le GNL il est acheminé ou bien il est dévié vers les quais de chargement qui sont censés de remplir les navires. Sur deux quais de chargement, il y a un quai qui s'appelle M2 et un autre M3. Donc nous avons une redondance dans les quais de chargement.
L'Algérie figure aujourd'hui parmi les leaders mondiaux du gaz naturel liquéfié. Ses exportations vont essentiellement vers l'Europe et le Moyen-Orient. Le GNL, vecteur essentiel de la promotion de l'industrie gazière. La demande croissante en énergie propre conjuguée au progrès technologique place l'Algérie dans une position privilégiée pour répondre aux besoins du marché local et mondial. L'Ouest algérien. Les complexes de liquéfaction dans la zone industrielle d'Arzeu font partie des fleurons du groupe Sonatrach. C'est aussi une importante réalisation industrielle de la chaîne de transformation des hydrocarbures. Le complexe a nécessité des travaux d'extension lancés en juillet 2008. Une nouvelle station avec pour objectif diversifier et prospecter d'autres marchés dans le monde. 10 ans plus tard, cette infrastructure est définitivement réceptionnée. Le complexe GL3 est composé d'un mégatrain. Ce mégatrain produit 4,7 millions de tonnes de GNL par an, 275 000 tonnes de propane, 57 000 tonnes de butane, 42 000 tonnes de gasoline et 300 000 tonnes d'éthane. La salle de contrôle est le centre de commandement principal des opérations de sécurité. La supervision des paramètres de fonctionnement du mégatrain sont assurés par un système intégré. Au niveau de cette salle de contrôle, il y a les opérateurs qui sont appelés à suivre les paramètres de fonctionnement de nos installations, tels que la température, la pression, les débits et le débit et le bon fonctionnement des installations. Le complexe est doté d'un laboratoire d'analyse pour le contrôle de la qualité des différents fluides pendant le processus. Les résultats sont instantanément communiqués aux exploitants pour effectuer les ajustements qui s'imposent. Le service laboratoire, c'est le garant de la qualité des produits finis, et même les produits approvisionnés. Donc le laboratoire a un planning d'analyse annuel qui répond aux exigences de la production et des départements techniques pour atteindre nos objectifs en termes de produits finis en qualité. La maintenance joue un rôle déterminant dans la performance du complexe. Elle sert à préserver la fiabilité des installations. Un atelier est mis en place, adapté aux besoins techniques des différents types d'entretien et de maintenance. Le service mécanique, c'est le suivi, tout ce qui est travaux préventifs, curatifs et correctifs. Et tout dépend des heures de marche des équipements. Le fonctionnement énergétique du complexe est autonome. Électricité et azote sont produits en interne. Sur le site, une unité y est justement dédiée. Inaugurée en janvier 2022. Cette unité est capable de produire un azote pur à 99,9% à un débit de 2100 nanomètres cubes par heure et une pression de 8 bars. La quantité d'azote produite pourra servir environ 3 fois les besoins du mégatrain.
le groupe économise ainsi chaque mois une véritable fortune. À travers ce projet, le complexe GLTAOZ fera des économies de l'ordre de 8 200 000 dinars algériens par mois, et ce suite à l'abandon des opérations d'approvisionnement de l'azote par camion. Après plusieurs étapes, le GNL produit est stocké dans deux bacs. Le complexe GL3Z est doté de deux bacs de stockage de GNL de capacité de 160 000 m3 chacun. Cette capacité est suffisante pour une production de 10 jours à raison de 30 000 m3 jour. Les deux bacs sont équipés par des pompes de chargement. Chaque pompe a une capacité de 2000 m3 heure. L'infrastructure dispose d'un quai de chargement conçu pour accueillir des méthaniers d'une capacité allant jusqu'à 240 000 m3, doté de toutes les technologies. Actuellement, nous sommes en train de charger le Tessala, qui est un navire algérien. Une des dernières acquisitions de Sonatrach. C'est un navire aussi doté de toutes les dernières technologies en termes de capacité et de navigation. Dans le quai M7, toutes les conditions de sécurité au standard international sont réunies. Donc nous travaillons en toute sécurité dans une enceinte qui est neuve. Si l'objectif de la souveraineté nationale sur les richesses du sous-sol algérien a été atteint un certain 24 février 1971. Des défis majeurs restent à surmonter, afin que le secteur des hydrocarbures contribue efficacement à la prospérité du pays. Car la préservation des ressources en gaz et en pétrole au profit des générations futures est en jeu.